Ayer samedi 11 septembre 2021, Jean Saté prévoit fête déjà, Premier ministre Ariel Henry lance cérémonie pour te signer accord politique lié qui a prôné un gouvernement monocéphale. Dans cérémonie si là, te gen présence parti politique secteur démocratique ak populaire, comme ça tout te gen présence parti politique fusion tandis que AAA lui-même li décidé prend recul par rapport ensemble avec accord si là côté Premier ministre Ariel Henry selon eux-mêmes pas arrivé intégrer tout secteur qui dans société civile là. Puis devant, nous avons le commissaire Claude Bedford, après que l'été filmé de Digicel, un relevé téléphonique sous appel Premier ministre Ariel Henry et Joseph Félix Badiou, sorti premier pour arriver 15 juillet 2021, et bien arrivé invité Premier ministre, mardi qui a venu là, notamment dans une séance côté l'a gagné pour lui répondre ensemble avec questions sur assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. Mais c'est bien jeune bien contré puisque Premier ministre Ariel Henry lui-même lui fait qu'on est pas une pièce menace qui a empêché le remplir mission comme Premier ministre dans tête pays d'Haïti et surtout il était convoqué au CSPN pour te commander ministre justice dans Rockefeller Vincent pour lui révoquer Claude Bedford dans tête parquet en dans pays d'Haïti. Qui donc situation là on dit gens compliqué par rapport ensemble avec Premier ministre Ariel Henry et Claude Bedford, côté ministre Rockefeller Vincent lui-même, li pat décidé paraître pour être tête li dans CSPN si là. Puis devant nous gagne Colombien yo qui nan prison puisque yo ta assassiné ancien président républicain Jovenel Moïse et mais qui arrivé écrit une lettre by président pays Colombie pour faire connaître que y a subi de grosses violences en de prison côté yo subi des brûlures yo battu yo nan tête et surtout yo recevoir un pile coup physique donc ça qui vient vraiment exagéré pour yo en de prison. C'est toute information ça yo avec divers lots qui a fait essentiel actualité nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui veut que tu sur chaîne ça, n'amande pour abonner. Et ou même qui t'es abonné déjà, n'amande pour continuer like, commenter, partager. Yon façon pour aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que vous cliquez sur cette cloche de notification. Yon manière pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. Normalement, Premier ministre Ariel Henry, je nous connais déjà, a prôné yon gouvernement monocéphale, côté c'est lui-même qui a pris tête exécutif là, et que c'est lui-même tout qui pral gagner pour organiser élection en dans le pays d'Haïti. Avant tout, nous devons mettre André Michel, qui se porte-parole secteur démocratique et populaire là, qui te fait connaître que yon pas trop connaître Ariel Henry en tant que Premier ministre, et si yon négociation qui a fait, yon supposé passer directement par mécène Jean-Louis, puisque c'est lui-même qui est président de transition en dans le pays d'Haïti. Mais puis devant tout, nous avons l'autre André Michel Kounyala qui penché. Après que militants sous champ de Massio ont fin décidé dénoncer le secteur démocratique et populaire qui ont décidé de prendre aide dans le gouvernement haïtien, eh bien, le secteur démocratique lui-même lui prouvé fort et bien que li a marché ensemble avec le gouvernement Ariel Henry, puisque il a participé dans la cérémonie de signature accord politique SILA. Et mes signatures à cause à lui-même, li te déroulé dans la résidence privée Premier ministre, dans Musso. N'a pas de Premier ministre qui t'a bail plus de détails par rapport ensemble avec accord SILA et puis n'a pas tourné. Je souhaitais venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais
nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles, dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du conseil provisoire, électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation, qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien, moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. Voilà, qui donc dans l'accord politique là n'a toujours rappelé que dans l'article 15 là, il a décidé reformer le conseil électoral provisoire, alors que le conseil ça lui-même, il était en mettre liste partielle parti politique qui enregistrait une manière pour participer dans l'élection.
N'a pas rappelé que calendrier était sorti. Eh bien, élection ensemble avec référendum n'a pas supposé réaliser 7 novembre qui a pas venu là. Même dans le moment où il y a là, si accord politique Ariel Henry a lui-même passé, eh bien, conseil électoral provisoire ça lui-même, lui a tombé immédiatement. Et prochain qui a formé a composé de secteur vaudouan, secteur religieux, organisation féminine et surtout c'est Ami qui c'est chef la presse en dans pays d'Haïti qui a gagné pour lui désigner un représentant la presse pour ta venir participer dans le conseil électoral provisoire Sila. Maître André Michel lui-même qui t'a participé dans la cérémonie de signature accord Sila et bien t'a essayé de défendre tête lui yon manière là pour lui faire connaître pour qui ça exactement que lui décide signer accord ça et puis devant il t'a fait connaître que c'est parce que lui gagne un accord ensemble avec Premier ministre Ariel Henry, yon manye la pour Messen Jean-Louis lui-même, li ta capable de participer dans le gouvernement. Nous pas parler trop, n'a pas tant de mettre André Michel et puis n'a pas tourné. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, dirigeants de partis politiques, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale. Le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique sur une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui est passé dans tout le pays d'Amérique latine, avec la gauche. Là, on a pris une décision. Ouais, on se combat, il y a des familles d'armée, et puis on va rentrer dans l'ordre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carbière qui m'accompagne, pour signer et cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous t'es dit, population, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que la bataille, pour que le conseil électoral qui va être fait là, il y aura un représentant là-dedans. Et comme on a encore ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous signons un accord politique ça parce que nous disons, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous signons un accord politique ça parce que l'accord politique, ça, il dit très clairement, procès Petro Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belé, massacre Delma 32, dossier ça, il a avancé, il n'a pas campé. Il a signé un accord politique, ça, parce que il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique, ça, parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est hier là, Dermalogue, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. Nous avons signé un accord politique ça, parce que le dossier ça est là-dedans.
n'a pas signé un accord politique ça parce que nous t'ai dit population faut bon gouvernement de consensus et dans cet accord le premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement après la signature de cet accord ce gouvernement de consensus. N'a pas signé un accord politique ça parce que nous dit très clairement n'a accord ça faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place dans la Cora une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons signer un accord politique ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous disons PM non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique ça, il dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques éparpillés dans le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. N'a pas signé un accord politique ça parce que nous dit n'a pas une gestion efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce Pétro-Caribé. Nous avons fini sur un accord. S'il n'est pas clair que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. N'a pas signé un accord politique ça parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait. C'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons que mon gouvernement, l'exécutif, bicéphale. Nous vivons à côté, c'est parce que les Blancs parlent. Les acteurs politiques et de la société civile. Tout le monde a tellement besoin de président, qu'on n'a pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous n'avons pas capable de faire consensus pour nous choisir un président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse. Faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession. Hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le conseil des ministres, sous la direction du premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons accord politique ça, parce que toute revendication population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes. Premier ministre Ariel Henry pas décidé de camper là, puisque il invite le comité qui a cherché une solution ensemble avec la crise haïtienne dans une rencontre yon manière pour yon tawe, comment est-ce que yon ta capable jwenn yon entente qui ta capable aider yon avancer ensemble avec pouvoir en dans pays d'Haïti. N'a pas rappelé que comité si la li même li te gen yon accord Montana que plusieurs partis politiques getan arrivé sien déjà dont Matrice Libération que Don Kato li même li fait partie. Premier ministre Ariel Henry li même li te arrivé convoquer comité a dimanche 12 septembre 2021 à 3h de l'après-midi dans résidence privée, sauf que comité a li même li fait connaître que c'est à partir de 13 et 14 septembre que li ap capable rencontrer Premier ministre Ariel Henry yon manière pour ta discuter autour d'éventualités qui gagnent pour ta jeune yon accord entre yon pour ta avancer ensemble avec pouvoir là en dans pays d'Haïti. Et bon côté parle MTV Haïti tout lui même li fait connait l'absien accord politique Premier ministre Ariel Henry si et seulement si yon jeune entente ensemble avec comité qui a cherché yon solution pour crise haïtienne. Alors que AA lui-même, qui gagne en tête li, ancien sénateur la Tibonite, Yuri La Tortue, décide de retirer col dans signature accord, qui était accord politique Premier ministre Ariel Henry, ou du moins, l'ité accord politique Montana, qui a cherché des solutions exactes pour Ottawa, est-ce que pays a lui-même, l'ité capable de retirer col dans situation délicate, ça, que l'y a plongé depuis bien avant assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. Sous dossier assassinat ancien président républicain, RNDDH, nous tout connaît, est sorti un rapport, côté non premier ministre Ariel Henry lui-même était cité. RNDDH te fait connaître un rapport ça, que te gagné environ 2 appels qui passaient entre Ariel Henry et Joseph Félix Badio 2 heures de temps après que Jovenel Moïse lui-même lui t'a arrivé perdu la ville, soit entre 4h03 et 4h20 du matin.
Eh bien, Claude Bedford, qui est commissaire gouvernement Port-au-Prince lui-même, il a décidé de prendre Estelle en main, côté l'Ital, mandé Digicel pour lui balayer un relevé téléphonique sous appel qui fait entre Premier ministre Ariel Henry et Joseph Félix Badio, qui sont présumés suspects dans l'assassinat ancien président de la République, Jovenel Moïse, sorti premier pour arriver 15 juillet qui saute passé à là. Digicel lui-même, il fait travail, il remet commissaire. Relevé téléphonique, ça yo, ça qui prouve exactement que Premier ministre lui-même, il te gagne vraiment des appels qui te passé entre 4h03 du matin et 4h20 du matin, ensemble avec Joseph Félix Badio. Et puis devant page 108 qui n'a rapport qui n'a met DCPJA, et bien au fait qu'on est que appel ça yo même, yo te arrivé passé et plusieurs appels tout. T'es passé entre ancien président républicain avec Premier ministre Ariel Henry avant même que yo arrivé assassiné. Ça qui poussait commissaire Claude Bedford lui-même inviter Premier ministre Ariel Henry devant parquet mardi qui a venu là, yon manière pour lui qu'avin répondre question la justice. Premier ministre Ariel Henry lui-même li pas tardé pour lui bailler une réponse ensemble avec commissaire gouvernement côté il était fait qu'on est. Pas de pièce menace, pas de pièce vieillesse politique qui pral empêcher le fait travail ça, rempli mission ça que li gen actuellement là, qui se aide pays d'Haïti, sorti dans gouffre politique actuel que li est là. Et puis devant, li mande ministre justice Rockefeller Vincent pour li révoquer commissaire Claude Bedford. Li te fait au CSPN, côté ministre lui-même, li pas décidé par être point tête li. Ça que Premier ministre Ariel Henry lui-même lui concevoir comme un dérespectant envers lui, puisque ministre justice lui-même lui décidé désobéir l'ordre, comme quoi lui pape révoquer commissaire Claude Bedford. Qui donc situation actuellement là, lui vraiment compliqué et mangomé nan men Premier ministre Ariel Henry, nan men commissaire Claude Bedford et surtout nan men ministre justice là. Il y a une grosse désentente entre ministre justice là, chef parquet, Premier ministre Ariel Henry, secrétaire conseil des ministres Renal Luberis qui a goumé yon manye là pour accord politique Premier ministre Ariel Henry pas passé puisque yo pensé que yon exécutif bicéphale avec yon président provisoire a beaucoup mieux pour pays d'Haïti. Qui donc dans moment là, eh bien il y a une grosse discussion, un gros désaccord entre parti politique si la yo côté population lui-même yo gètan commencé lapider mettre André Michel déjà qui fait toute ville la goumé contre ancien président république la Jovenel Moïse et kounya la qui pral signé yon accord ensemble avec premier ministre que Jovenel Moïse lui-même li té arrivé désigné. Colombien qui n'a prison yo normalement écrit une lettre by président pays Colombie yo manye la pour yo ka fait part de mauvais traitement que y a recevoir actuellement là en dans pays d'Haïti côté yo fait connait que recevoir des brûlures yo bat yo pas baigné yo pas bien manger qui donc yo gagne un traitement qui vraiment exécrable en dans prison alors que yo continue à clamer innocence par rapport ensemble avec assassinat ancien président républicain comme quoi c'est piégé que yo ta arrivé piégé yo puisque yo te gagné mission pour yo te arrêté ancien président et mais là arrivé sur les lieux pour ta fait arrestation c'est là et bien président républicain lui-même li ta gétan mouri déjà. La police nationale d'Haïti lui-même li continue goumen la côté li mette en bacord de samedi 11 septembre 2021 de individus qui t'ap tenté passer dans l'aéroport Toussaint Louverture ensemble avec 2 kg 15 cocaïne. Nos deux individus sa yo c'est Edna Remy avec Michel Lapointe qui t'ap pral prendre un vol régulier pour Fort Lauderdale et la police lui-même li te gétan arrivé mette main sou moun sa yo. Puis devant nous gagne plus passé 980 000 moun qui victime dans tremblement de terre 14 août 2021 qui a subi sa nou karele yon insécurité alimentaire et jusqu'à présent gen côté que aide l'état lui-même li poko jam karive presque yon mois après que tremblement de terre lui-même li te arrivé fin ravager zone Grand Sud là. C'est toute information ça aucun dépoté pour aujourd'hui hein. Merci d'être continuer like, commenter, partager et merci d'être continuer inviter en famille avec vos amis ou restez connecté avec TAC Info Plus pour avoir bonne information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis. Bye bye.